Aïe, 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 aïe. Les gens vraiment se font. Le lien en question dans la barre de recherche. Au fait, il doit être déjà là. Je vais cliquer sur ça. Vous, ces liens ici, je vais vous les laisser dans la description. Ou soit, bien sûr, vous les connaissez déjà. Hein? Je vais les laisser dans la description pour les gens qui n'ont pas ces liens-là. Voilà. Ici, on va connecter le portefeuille. On va cliquer ici. Inlock qui est là. Alors pour inlock signifie débloquer. Alors nous allons cliquer sur débloquer. On va nous demander encore de connecter le portefeuille, mais avant cela on change des réseaux. On choisit Binance Smart Chain et puis on connecte ici. Voilà. Maintenant, regardez les conditions de débloquer les AID. Pour débloquer les AID, vous avez besoin d'acheter les PP. Hein? Vous achetez les PP et puis vous débloquez. Donc, dès que vous achetez les PP, vous avez la chance de débloquer 0,1 à 10% par jour de votre montant total des AID dans votre portefeuille. Voyez-vous? Donc, si vous avez des AID et que vous voulez les swapper, vous voulez les débloquer parce que c'est encore bloqué, alors achetez les PP et
vous les holdez, vous les laissez dans votre portefeuille, donc dans le même portefeuille où il y a AID. Vous les laissez là-bas et le jour, le temps qu'ils vont faire là-bas, donc par jour, vous allez commencer à débloquer 0,1 à 10% de votre montant total selon le montant des PP que vous avez. Voyez-vous? Et sur cette même page, il y a un bouton Buy PP. Il y a un bouton Buy PP. Donc ici, sur ces liens, sur cette page, vous pouvez même acheter les PP si vous avez normalement les BNB dans votre portefeuille, dans ce portefeuille qui est connecté. Vous voyez? Si vous avez des BNB dans ce portefeuille là que vous avez connecté, vous pouvez directement acheter les PP ici. Et dès que vous les achetez, vous avez la chance de débloquer les AID. Ok les amis? Mais si vous n'avez pas des BNB pour acheter les PP, il y a aussi une bonne nouvelle pour vous. Parce que c'est gratuit et vraiment ça sera complètement gratuit. Parce que les airdrops, tout celui qui lance les airdrops, s'il n'est pas arnaqueur, les airdrops restent toujours gratuit et gratuit. Voilà. Okay. Les adresses, je suis ici. Les adresses qui ont été échangées sur les réseaux des tests recevront des récompenses supplémentaires après le lancement du réseau principal. Voilà, là, ça sera une récompense pour celui qui a participé à l'airdrop et à l'IDO. Ok. Maintenant, étape du réseau principal qui est encore en attente. Voilà. Y compris les jetons des airdrop et des IDO. Hein, y compris les jetons des airdrop et des IDO peuvent être échangés sur n'importe quel DEX, n'importe quel échangeur. Vous avez compris? Donc, pour les impatients là, vous vous faites arnaquer pour rien. Mais après,